Allez, on est reparti. Cette fois-ci, j'ai mon petit repas avec moi. Et après, j'irai travailler cet après-midi quand même parce que je vous rappelle que ça, c'est du plaisir. Oh! Allez! On est donc parti pour la dernière enquête de la journée. Ah, j'ai perdu ma capote à micro. Ouais, désolé, ça va être insupportable le bruit. Hop là. Alors, je sais pas trop comment prendre la partie cosmique. On fait quatrième. C'est qu'il nous manque un petit truc. Il nous manque surtout un dragon, hein. C'est pas normal que ce soit aussi long. Ah, ben j'allais le dire. Alors, on en est où? Alors, on allait chercher la ceinture. Ça, on va le garder pour les dragons. Déjà, ça fait un. Bon, mais là, il n'y a pas de sujet.
Ça va pas du tout. Ah. Bon, c'est pas fameux, hein. Oh, violence. Bon ben là,
Gagner une actualisation gratuite avec la boutique cosmique, c'est très bien. C'est très bien parce que ça permet de faire quelque chose d'exponentiel. Je vais plus vite à récolter mes cosmiques. Bien tenté. Oh, alors là, on était sur presque un full combo prévu. Mais j'avoue, rien à voir. Alors. Là, on a win le quatrième. Après, c'est pas ça qui est important vraiment. On a Varus. Ça y est. Une actu. Alors, là, on a nos 6 cosmiques. Donc, on pourrait dire, j'ai les 6 cosmiques. C'est là où il faut se poser les bonnes questions. Seth est mort. Là, ça va commencer à taper fort. Ok, bon, il a déjà son Draco ancien. Alors après, forcément, on n'est pas dépourvu de puissance, mais oh. Ok, légende Pike, bah ouais, t'es qu'une légende quoi, t'existes pas, allez salut. C'est intéressant ce qu'il a fait avec Ryze. C'est intéressant ce qu'il a fait avec Ryze parce que ça tape fort et ça régène vite et c'est intéressant. Alors... Ok...
J'aurais essayé. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tu fais perdre de l'armure et de la résine. Et en fait, ça tombe sur Vlad et Nami. Clairement, il y a du level en face, donc. Moi aussi, je veux que ça y a. On n'est pas pressé par le temps. C'est compliqué, je pourrais augmenter mes trucs. Et là, il y a trop de boulot hein, derrière. Je me vois pas réussir à le gagner, celui-là. Oh, puis tout est foiré. Ben, je veux dire, on prend du stun, on prend du. Non, tout est foiré, tout est foiré. Ok. Bah, j'aurais dû prendre Horn en fait, mais c'est pas grave, j'ai perdu qu'un gold, pas non plus. Mais c'est le gold qui fait la diff. C'est compliqué, je suis dernier. Yon, faut le tomber. Il y a une partie très AD d'un côté, une partie très AP de l'autre. Mais bon. Lui, clairement, je pense qu'il a. Il a mis la clé sur la porte, comme on dit. Est-ce qu'on veut. Bah là, on a une victoire. On vient de prendre Marie Strox. Après, les deux premiers sont vraiment balèzes en mode tempête. Et franchement, ils font chier. Le troisième, on va voir ce que ça donne là. Le troisième aussi a l'air pas mal rodé. Je comprendrai jamais pourquoi la bulle de Nami disparaît quand elle est morte. Alors qu'il y a certains sorts, quand ils sont morts, ils disparaissent pas. Ok. Bon, Furiel, c'est cool quand même. Après, là, on n'a pas mis notre stuff encore.
C'est compliqué parce que je sais pas trop quoi faire. On a une amie à fond. Ok. Là, ils sont serrés, c'était mauvais pour lui. Ah, mais il y a une tempête. Pour rectifier le truc, on verra bien ce que ça donne. C'est intéressant le coup des deux trèches. Après, moi, je trouve ça rigolo. J'aimais bien trèche aussi. J'aimais bien les murmures et compagnie. Je trouve que les murmures, ils sont très forts. Je trouve que les Moi, j'avais fait un truc murmure mirage. Je trouvais ça super intéressant. Alors. Il me faudrait si on va le mettre le Rise en attendant. En attendant, on va le mettre. Bon, je me situe au milieu. Prochain coup, c'est un combat. Si je le bats, c'est qui que j'affronte surtout? Strong Nato, ils ont fait def. Ah, putain, ça c'est. Ouais. Ok. Je crois que c'était Deco Reco, lui. On va voir si c'est faisable. Voilà. Le coup de Ilaoi. Ça, je trouve. Ilaoi, je trouve vraiment. Je trouve vraiment puissant. Après, ce qui est intéressant, encore une fois, avec Ilaoi, c'est aussi le principe de pouvoir taper tout le monde. Et de pas avoir trop forcément de dégâts. Mais quand même parvenir. Ou de d'armure, mais quand même parvenir à tanker et à faire des dégâts. Ça c'est cool. Celle-là elle est gratuite. Il n'y a rien qui nous intéresse. On y va donc avec ça. On a un Rise. Rise, pareil, on va. Bon, là, il y a du mage, c'est pour augmenter un peu les autres. Là, je suis pas bloqué parce qu'en vrai, il y a moyen de faire des trucs, mais j'aimerais bien choper un dragon, genre une Shyvana. Donc, on va essayer de prendre. Ouais, on va essayer de prendre de la. De prendre de la force en fait, hein. Nato vient de se faire def. C'était un top, donc ça envisage. Oh, ok. Donc on a à nouveau un Yas. Est-ce qu'il va se faire choper ou pas? Yas, c'est du Draco. Je suis pas allé dans le Draco. Mais Yas, pour moi, je peux pas le laisser passer parce que Yas, c'est vraiment un personnage qui est fort, mais fort, fort, mais très, très fort. En mirage. Mais là, mirage, il récupère une partie de leur vie. Ah, je peux pas parce que. Ok. On verra après. Parce qu'après, je pourrais. En fait, ouais, ça va s'arrêter là. On verra. On va le tenter comme ça.
Furiel, Dracomancien, Métamorphe. Bon, là pour l'instant, on est vraiment dans le, on est vraiment dans le mood. On est vraiment dans le mood. Ça se passe bien là, ça se passe bien là. On a bien récupéré Guinsoo. C'est pas mal. Non, ouais, c'est pas mal. Regardez comment ça va se passer. Guinsoo, tac. Ça, on va le mettre à lui pour qu'il puisse se régénérer. La vitesse, on la garde pour plus tard. Il a eu une actu gratuite. Il a eu. Carner pour ici. Nidalee, on peut pas la prendre. Nidalee, on peut pas la prendre. Mais, elle nous intéresse pas plus que ça. Alors, acheter l'XP 42,50. Pas tout de suite. Mais ça me permettra de mettre Swain en Furiel Draco. Pour l'instant, j'ai que deux combattants et six cosmiques. J'ai pas non plus. Mirage, c'est quoi? Ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que. Ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est vraiment cool. Yasuo 8147, dommage. Hein. J'ai oublié de faire l'actualisation gratuite. Je l'ai faite. On a un métamorphe en plus. Actu gratuite. Oh, une Xayah. Donc là, non, pas Draco, mais vif tireur. Mais ça va pas aller. Ça va pas aller parce que en fait, faut le mettre sur Shishi. Donc on va augmenter Varus. Non, il nous faut une Shyvana en fait. Il nous faut une Shyvana. On est quatrième.
Ok. Oh, ça c'est génial parce que j'ai même pas fait la boutique tac, mais j'ai déjà récupéré un Ilaoi. Je pourrais avoir Daeja. Je vais le tenter. Parce que Daeja Yasuo, c'est cool. On va monter le mirage à 4. On n'augmente pas le reste. Ah oui, on avait dit Draco ancien sinon. On verra. Ok. Et on peut ressortir une Nidalee des familles. Alors, Nidalee, c'est la dernière qui nous manque. Et là, pour l'instant, niveau XP, on n'est pas ouf. Par contre, on vient de foutre Skarner au max. Et Yasuo, il a une belle couverture. Ok. C'est pas cool du tout ce qui vient de se passer là. C'est pas cool du tout parce que j'avais l'impression un petit peu que mon Yasuo était mal placé. Bon, on s'est assuré déjà une quatrième place encore une fois. Et je viens de voir que ma cam a crashé. Je vais la remettre vite fait, même si c'est la fin, je pense. Voilà. Oh là. Voilà comment on peut le jouer. Voilà comment on va le jouer. Une actu gratuite. Lulu, non, ça en bat les steaks de Lulu. Murmure, combattant dragon, ça a rien. Mystique, dragon, jade, ouais, ça peut être cool. Voilà, je suis revenu. Après, on le sait là, hein. Celui qui va faire le café, vraiment, c'est Yas. On repart sur Nidalee. Une actu gratuite. C'est toujours pas ça. Là, il faut qu'on arrive jusqu'à 80 pour avoir le niveau 9. Et au niveau 9, on met Daeja, je pense. Là, il nous manque encore un ou deux bons trucs avant la fin. On va pas crever tout de suite, tout de suite. Et au niveau des dégâts, on voit bien que Yas, il est là.
Voilà, ça c'est fait. Et Strong Nato qui était dans les premiers vient de décéder. Donc on a bien continué notre taf. 32 et 16, c'est toujours pas ça. Je vais garder parce que bonus gold. On a toujours un soin dégueulasse. Ou alors la Guinso, c'est mieux parce que soin il va dégager en vrai. Pour Daesha sûrement. Pour renforcer le Yas qui est bien boosté. J'aurais préféré une Shyvana. Mais bon. On fait avec ce qu'on a. Et là on s'est fait ouvrir. Furiel c'est fort. Furiel j'aime beaucoup. Voilà, ils ont la Shiva en plus quoi. Ok. Oh, il y a un Yas. Ok. Horn parce que Draco Mancien, ça va partir sur la petite Nidalee, on va augmenter Yas. Hop là. De là, ça me semble juste complètement carré. Et une fois qu'on a fini ce combat, oh, on est plus que deux. Oh, ok. Ok. Il me reste qu'un truc. Je sais pas si ça va suffire. Mais bon, on a réussi à faire à peu près ce qu'on voulait. Non! Bon, ben, deuxième place. Après, voilà, là, pour le coup, on n'a pas trop mal joué. On a su négocier le virage. Le problème était que Furiel, on n'a pas eu ce qu'il fallait. On n'a pas eu soit une bon moment pour gagner des places. On n'a pas eu Shyvana qu'on cherchait. Alors ouais, c'est chiant et en même temps, ça l'est pas. Bon, promu bronze 4, mais je pense pas que le classement soit fini. Je pense que on verra ce qu'il en est. Mais on a quand même potentiellement eu un bon truc. Je suis plutôt content de cette série. Alors après, la prochaine étape, c'était de sortir les cosmiques pour avoir des Furiel. Draco, Swain, machin. On n'avait pas de dragon. On a eu Daesha assez tard. On n'avait pas de quoi le buff. On n'avait pas de pistolet. On n'avait pas de Zephyr. On n'avait pas de quoi contrôler en fait. Et Shyvana, quand t'as pas de contrôle, c'est vraiment trop violent. Donc voilà. Allez, sur ce.